Bonjour tout le monde, alors je viens pour vous parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé sur mon blog, mais comme tout le monde ne suit pas mes articles, je préfère en fait vous faire également la vidéo pour vous présenter, on va dire, en direct, entre guillemets, le produit en question. Donc il s'agit en fait du duo masque et gommage de chez Pulpe de Vie, qui s'appelle donc Sucré Frappé, voilà. Alors j'ai reçu ce masque de la part donc de la marque et donc j'ai pu le tester donc il y a déjà quelques temps de cela, et j'en ai en fait totalement un avis mais plus positif. Ah, j'ai rien à redire sur ce produit. Ah, c'est juste une chose, quand je l'ai ouvert, le seul point négatif c'est que quand je l'ai ouvert le capuchon s'est un peu pété, voilà, donc vous parlez d'un drame. Voilà, donc ce produit, j'en ai déjà parlé, j'ai bien expliqué sur mon blog comment on l'utilisait avec des photos, une espèce de tutoriel imagé, etc. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous montrer en vidéo comment je l'utilise, mais je vais pouvoir quand même vous en parler. Alors déjà, Pulpe de Vie, c'est un... Voilà, c'est une marque qui fait du cosméto mais bio déjà, et qui est plutôt dans un esprit, je pense, en tout cas dans un esprit pétillant, dans un esprit un petit peu fun, un peu léger, un petit peu vitaminé, etc. qui donnerait la pêche, et ça se sent par rapport déjà aux produits, aux fruits et aux légumes aussi, qu'ils peuvent utiliser dans leurs soins, dans leur gommage et dans leurs produits. Là aujourd'hui, ce produit par exemple, donc le Sucré Frappé, qui est en fait un duo masque et gommage, et je vais vous expliquer pourquoi, est au concombre, pamplemousse, noyau d'abricot. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'idée. Il n'y a pas d'huile essentielle, c'est vraiment sans parabènes, c'est vraiment bio. Donc pour celles qui recherchent vraiment dans un produit, dans un gommage, quelque chose qui soit quand même exfoliant, qui fonctionne bien, mais qui soit quand même bon pour la peau et bio, vous pouvez aller sur le site de Pulpe de Vie. Le site sera indiqué juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc là c'était un produit qui contient 75 millilitres de produit. Alors ce que j'en dis, c'est que déjà à chaque fois que j'utilise, j'ai pas besoin d'en utiliser des tonnes, j'ai genre besoin d'une noisette, donc je suppose qu'il faut déjà y aller pour finir le tube. Voilà, donc ce qu'on en dit, alors c'est un produit d'origine c'est un produit d'origine française, donc c'est de l'artisanat. Et moi j'aurais tendance en ce moment à valoriser et à essayer de pousser ou de promouvoir, à partir du moment où ce sont des bons produits évidemment, tout ce qui est artisanat français, parce que c'est notre patrimoine, et je pense qu'il est important de le conserver et de motiver toutes ces personnes qui essaient de lancer des entreprises ou qui essaient de perdurer en tout cas sur le marché, puisque après cette lancée il faut surtout rester. Alors ce que l'on en dit, voilà, donc c'est un concentré de bonne humeur, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment la politique de cette entreprise, c'est vraiment quelque chose de pétillant, on propose vraiment en plus d'un produit toute une tout un univers un petit peu fun à côté. C'est un produit gommant, mais aussi qui peut vous faire un soin en même temps. Je vous explique. Donc, tout est noté derrière en plus, donc c'est parfait. Ça m'évitera de dire une bêtise. Je l'ai utilisé, etc. C'est pas le problème, mais ça m'évitera de dire une bêtise. Alors, on applique le produit sur peau sèche. Et en fait, on va le laisser agir. Alors, on va bien voir que c'est un produit avec des petits grains, donc qui a une tendance à exfolier la peau. Donc on l'applique sur la peau sèche, on laisse reposer, voilà, 5 minutes. Moi je laisse un petit peu plus généralement que 5 minutes, parce que j'en profite toujours pour aller faire un autre truc en même temps, parce que ça me saoule d'attendre 5 minutes comme ça. Donc pendant ce temps-là, je vais aller faire ce que j'ai à faire ailleurs. Ensuite, deuxième chose, vous allez gommer le produit, toujours pour l'instant sans rajouter d'eau et à sec. Donc vous allez gommer votre produit, donc en faisant des petits mouvements circulaires sur votre peau. Ça, je ne vais pas vous apprendre comment on fait un gommage à votre peau. Troisième effet, vous appliquez sur votre visage, alors moi je prends au bout des doigts comme ça, de l'eau.
Et vous allez masser, 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 masser. Et en fait, donc, ce qu'ils indiquent, c'est voilà, que ça se transforme en lait. Et c'est bien ça. Du coup, le produit qui est à l'origine un petit peu marron, voilà, un petit peu marron comme cela, hein. Un peu comme du miel. Et c'est marrant parce que le logo de Pulpe de Vie, c'est une abeille. Donc, comme de fait exprès, c'est un peu comme du miel. Et en rajoutant de l'eau ensuite, ça va former un lait qui va du coup être facile à rincer. Alors, ce que j'en dis, honnêtement, hein, c'est pas parce que ce produit m'a été envoyé en test que je dis ça parce que bah, je suis capable de dire c'est nul ou donner un avis moins positif. C'est que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ce produit. Peut-être un peu moins l'odeur de pamplemousse parce que je m'attendais peut-être à ce que ce soit un petit peu plus sucré au niveau de l'odeur. Mais en même temps, on dit bien que ce sont des produits sans ajout d'huile essentielle, sans ajout de parfum aussi également, je suppose. Donc, on sent bien cette odeur de pamplemousse. Et moi, je suis pas non plus super fan de cette odeur-là. Donc, voilà, c'est la drôle. Du coup, c'est la deuxième chose que je pourrais dire. Ça dépend de chacun et c'est pas non plus super incommodant. Voilà, donc on rince son produit et ensuite on a cette espèce de douceur qui intervient sur la peau. Et me concernant, depuis que j'utilise ce gommage, alors j'utilise à peu près une fois par semaine, pas plus de toute façon, j'ai absolument pas d'imperfection sur la peau, j'ai pas de petits boutons, j'ai pas de rougeur, j'ai pas. Alors, est-ce que c'est associé à ma routine soin qui a un petit peu changé? Je ne sais pas. En tout cas, pour le coup, ça marche super bien et je pense que le challenge de Pulpe de Vie est réussi concernant ce gommage. Et c'est vraiment plaisant parce que pour une fois, on n'est pas en galère à exfolier, à rincer, à avoir de l'eau qui dégouline, voilà. C'est vraiment différent. Voilà, vous prenez pas la tête, vous appliquez le produit à sec, ensuite vous attendez 5 petites minutes. Hop, ensuite, alors vous appliquez sans exfolier tout de suite, vous attendez 5 minutes, donc là ça vous fait un soin finalement. Ensuite, bam, vous exfoliez. Et puis après, avec de l'eau, ben, vous rincez avec. Moi, ce que je prends, c'est les doigts, mais vous pouvez très bien prendre un coton et mettre de l'eau et le rincer comme ça. Ça va se rincer comme un lait. Donc, du coup, voilà. En gros, en 10 minutes, votre gommage soin et lait, du coup, qui hydrate votre peau, ça va être fait. Donc, vous avez, en l'espace de 10 minutes, fait, on va dire, le minimum, le strict minimum concernant votre peau et voilà. Donc, je voulais absolument vous parler de ce produit. Moi, j'attends qu'une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir en tester d'autres, évidemment, puisque il y a d'autres choses. Et allez voir sur le site, vous verrez, il y a peut-être quelque chose qui va vous plaire. Voilà. Concernant le prix, donc c'est à moins de 20 €. Alors, effectivement, pour un produit, mettre 20 €, c'est pas donner à tout le monde. Simplement, si vous achetez un soin, un lait et un gommage, vous avez largement dépassé ce prix-là. En plus, comme je vous l'expliquais, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut un petit bout de temps pour le vider. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site, à aller regarder. Moi, je vous assure que vous ne serez absolument pas déçus de ce produit. En tout cas, je l'espère. Me concernant, c'est vraiment, voilà, pouce vert, on va dire. Et voilà, le côté made in France à 100%, le côté bio, maintenant, j'y suis absolument réceptive, alors qu'avant, je m'en foutais totalement. Aujourd'hui, j'ai une autre optique de la chose. Voilà, donc c'est fait à Marseille, d'ailleurs. Voilà, donc je fais un coucou à mes amis marseillais. Donc voilà, c'est fait voilà, en Provence, à Marseille. Voilà. Donc voilà pour le produit sucré frappé de Pulpe de Vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!